Chapitre 2. J'allais chez Kathleen en pleurs. Sa mère m'ouvra et Kathleen vient me voir. Hé, hey, puce, qu'est-ce qu'il y a? C'est la mère de Justin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout a commencé il y a 2 mois. Justin et moi, on a couché ensemble et tout à l'heure, on l'a refait dans ma baignoire. Mais la mère de Justin est entrée et elle veut me renvoyer chez Jérémy. Avec ton demi-frère que t'as couché? Putain, mais c'est pas une honte, au contraire, vous découvrez votre corps. Je sais, mais c'est Patty. T'inquiète, ma poule, je vais tout arranger. Ok, merci d'être là pour moi. Kathleen part à voir la mère de Justin. Elle passa 1 heure sans qu'elle ne revienne. Et là, Kathleen vient me voir et me dit. Je t'avais dit que j'allais tout arranger, tu peux retourner chez toi. Oh, merci Kathleen. Merci, je te revaudrai ça, je t'adore. Tu dors chez moi? Si tu veux. Au soir, Kathleen et moi, on alla se coucher. Quand tout le monde dormait, Kathleen se mettait nue pour dormir. Je lui caressais son corps, quand d'un coup, elle poussa un petit cri de plaisir. Écarte tes jambes. J'écarta mes jambes, et elle titillait mon clito avec son bout de langue, quand d'un coup, elle sortait un god de son tiroir. Elle faisait des va-et-vient dans mon vagin. Je jouissais de plaisir quand elle sortait un petit vibro qui a 2 petits godes à faire vibrer dans le vagin. J'étais avec elle fourchon sur elle. On en mettait chacun dans notre vagin et elle le mettait à forte vibration. Et on criait de plaisir. On se touchait les seins jusqu'à ce que nous finissions en s'embrassant. Ah, c'était super! Ouais. Bon, on dort? Oui, je suis crevé. Nous nous endormons et le lendemain matin, je me lava, m'habilla et alla chez Justin. Et je prépara mon sac pour aller au lycée, dans ma nouvelle classe, avec Justin. Justin vit qu'il était dans la même classe que moi. Arrivé en classe, il se mettait à côté de moi, en cours de maths. Pourquoi t'es à côté de moi? Tu vas en cours de français après la récré. Le cours de techno passa, et après, il y avait la récré, où on retrouva les copains et les copines. Arrivé en cours de français, Justin se mettait à côté de moi, et me parla. Allez, et écarte tes jambes, s'il te plaît, là. Pourquoi? Écarte. Ok. Justin me doit être en plein cours. D'un coup, il se mit à accélérer. Je jouissais et la prof se retourna. Que faites-vous, monsieur et madame Bieber? Rien, rien, je lui ai fait mal sans le faire exprès. Ok. Justin recommença de plus en plus vite et je m'empêchais de crier. Selena leva le doigt et disa à la prof. Madame, il y a Justin qui est en train de doigter Cassie en cours. Mais dis pas n'importe quoi, ils sont en train d'écrire leur cours. Après les cours, c'était fini. Et nous, on finissait à 11h. Justin me colla contre le mur et me baisa 1 heure. Après, je rentre chez moi. Vous faisiez quoi? J'étais inquiète. On était avec des potes. Ouais, on s'est amusé.